Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17 sur la ferme Limousine. Alors aujourd'hui on va aller labourer. Alors on a le Newland, le T7200 normalement, c'est... Ouais c'est ça. Alors on est parti. Alors ça fait plaisir de vous revoir les amis, ça fait un moment que je n'ai pas retourné de vidéo. Alors là, c'est l'épisode 1. Comme vous avez vu la vidéo précédente, c'était un peu la présentation de l'aventure. Là, c'est une nouvelle aventure, voilà. Alors, on va atteler ça. Hop. X, on va le mettre en mode route. Hop, et c'est parti. Alors, on va aller labourer un champ pour commencer. Alors, je... Hop. On va aller au champ 13, non c'est ça, ouais. C'est le champ 13, enfin moi je le vois mais où, enfin il y a un peu, c'est une grande map, hein, c'est... Alors c'est parti, on va l'intérieur, voir que ça va pas bugger, pas de voiture, allez c'est parti. Alors ouais, il y a des radars sur cette map. Faire gaffe, je me suis déjà fait flasher deux fois, je me suis pris 102 € et la deuxième fois 91 € parce que j'ai roulé un... enfin, il te marque un, j'avais conduit 0 km/h trop vite et devait payer. Oula, oh, oh. Ouais, vous voyez, troisième amende que je me prends depuis que je suis sur la partie là. Bon alors c'est pas grave, alors on va tourner là. Hop là, faire gaffe à la barrière, hop. J'espère qu'on entend bien le son du tracteur. Je regarde un truc que vous savez que c'est, volume. Allez. Ça doit être bon là. Voilà. On entend le véhicule, tout va bien. Alors ça c'est une charrue Verneland que voilà. Que j'ai téléchargé là. 5 corps à élaborer. Là il y a un pont, faire gaffe parce que moi des fois les ponts je passe à travers, enfin je passe à travers. Oh putain le piqué. Là il y a encore des barrières. Ah oui c'est parce que le champ des vaches il s'agrandit. Bon on va le fermer. Attends, les vaches elles peuvent rester là, hein. Il y a un petit bruit là, sympa. Oui, oui. Hop. Donc voilà, on a la ferme en bas. C'est la ferme des vaches. Hop. Bon, on a les tracteurs. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi il a refait... Il s'est rouvert ce connard. Là. Allez hop, on repart. Alors le champ 13, c'est celui-là. Terrain à vendre. Hop. Je vais l'acheter. C'est parti. Ça. Alors comment on va labourer ça nous? X, la charrue. J'espère qu'elle va pas me faire de merde. Allez, c'est parti. Donc ça laboure. Voilà. Bon voilà, on va suivre un peu la parcelle, on va pas les faire droit droit, hein, on va pas. Voilà, c'est sympa, un petit un bel ensemble. Hop. Bon après si on en manque on passera dessus. Regarde, tu vois.
Hop. Là, on va reculer. Tu vas voir. Comme ça. Là, ça, comme ça. Voilà. Hop. Il est en relou, ce connard. Là. Voilà. Faire gaffe au panneau. Bon, ça va un peu dans les cultures là. Faire gaffe. Merde, j'allume les feux, je crois. Voilà. Allez, c'est parti. Là ça va derrière, ouais. Bon ben voilà, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, je sais pas si ça fait plaisir de revoir la ferme limousine sur le farming 2017, hein. C'est vrai que c'est depuis le 15, je pensais pas qu'elle allait sortir, mais bon, moi je suis content, hein, pour jouer un peu dessus. Après il y a Agri-OC aussi. C'est une map sympa celle-là. Agri-OC V2. Je vais vous faire une petite vidéo là si, quand j'aurai le temps sur les pommiers, parce qu'il y a des pommiers, alors on ira faire quelques pommes. Les pommiers c'est sympa ça. Ça a changé un peu de. Toujours la même chose. Chaque fois, toujours, ben, c'est les foins, c'est les moissons, c'est les ensilages dans farming. De toute façon c'est répétitif à chaque fois. Hein, que tu vas changer de map, ça va être toujours la même chose, hein, ça. Que tu sois sur la ferme limousine, Agri-OC, que tu sois sur Belgique profonde, que tu sois sur n'importe quelle map, ça va être toujours la même chose. Bon, après c'est sûr, après il y en a, ils vont faire un peu de paysagisme, il y en a, ils vont faire un peu du bois, mais bon, ça sera toujours répétitif, hein, le bois, c'est quoi, c'est pareil. Après voilà, ce sera les modes qui vont, merde, les modes qui vont changer, c'est tout. Alors voilà, tu vas changer la map, tu vas avoir un nouveau mode, tu vas aller tester, tu vas faire du bois, voilà. Et après ça va refaire la même chose, hop, une nouvelle map qui va sortir, d'autres nouveaux modes, et hop, tu vas refaire du bois. Enfin voilà, c'est répétitif comme je dis. Mais bon, après c'est sûr, ça passe un temps. C'est bien d'avoir un jeu comme ça avec Cole. Fait le barbelé là, et voilà. Bon, ça va, il faut le barbelé. Tu fonces dedans, ça arrête le tracteur. Alors, ça va, c'est qu'il y a du bon barbelé. Là, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose qui rentre dans le parc ou que les vaches sortent. Là, je sais même pas si c'est le parc à vaches. Si ça, j'en sais rien. Petit parc, ah si, ouais, parc des vaches. Je vais essayer de regarder aussi parce que j'aimerais bien faire un live sur ma chaîne. Je vais voir si je peux en faire un sur Agri-OC. Bon, faut que je regarde comment ça se fait les lives parce que moi j'en ai jamais fait, vous savez. Alors je vais voir ça. Hop, tourne ça. Après va falloir que qu'on fasse les foins, les moissons. J'aimerais bien aussi moissonner un peu de maïs. Qu'on en urbane, qu'on fasse un peu d'ensilage, on va voir ça à la suite. Bon là je vous tourne cette vidéo là parce que aujourd'hui j'ai le temps, j'ai pas. Mais après c'est pour moi c'est difficile à tourner les vidéos. Il y a beaucoup. Il y a tout le temps des gens chez moi. Après c'est. Sinon je travaille, c'est pas trop le temps. Le soir tu rentres, t'es crevé, c'est. Donc voilà, après le week-end des fois t'as pas trop envie, tu t'en profites, t'es dehors. Et voilà. Y a pas le mot de la bourse ce tracteur.
Non, il a pas le mot de la bourse celui-là. Oh, c'est pas grave. A piqué. Assez juste, ça va. Vue intérieure, merde, qu'est-ce que j'ai vu? Non, ça va. Ouf, mon vue intérieure, je suis pas trop. J'en loupe. J'aime pas louper. Regardez-moi ça, c'est propre. Travail d'arabe. Oh oui. Faut que je regarde aussi. Là, il y a. Faut que je demande pour voir pour faire du multi là, parce que j'aimerais bien faire des vidéos en multi. Voir à Théo qu'est-ce qu'il fait, même une ou deux, tu vois. Après voilà, c'est. Après sinon je trouverais bien d'autres gens pour en faire. Il n'y a pas que. Parce que bon, c'est vrai que Théo, lui, il a pas beaucoup le temps, il travaille lui aussi. Après quand il est chez son père aussi, c'est pareil. Il travaille chez son père et quand il est chez sa mère, il est avec ses potes, il en profite, il est dehors, il a bien raison. Après voilà. Après bon, si je trouve quelqu'un d'autre, bon, je vais voir ça. Après faut qu'il ait le temps lui aussi, l'autre, que moi j'ai le temps, qu'on soit. Que chez moi il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de bruit, tu vois, parce que c'est souvent qu'il y a un bordel chez moi. Il y a toujours des gens. Donc voilà. Hop. Donc je vais mettre un ouvrier. Find. Oh. Va foutre l'ouvrier. Comment tu veux faire? Oh toi. Bon c'est pas grave, on va faire une dernière rangée, après on va aller chercher la herse. Et on va hercer un petit peu ce qu'on a fait là pour pas faire comme du labour, tu vois. Je sais même pas combien on est de temps de vidéo. Moi je regarde pas mes vidéos à combien de temps elles sont. Si c'est 50 minutes, 50, c'est 30, c'est 30, c'est 10, c'est 10, c'est 20, c'est 20. Donc je vais laisser celui-là ici. On va aller chercher le case maintenant. Alors, hop. Non, toi t'es là, toi non, toi non. Toi non. Alors là, vous avez vu le John Deere, c'est parce que si vous avez regardé l'autre vidéo. La première vidéo là, enfin sur la ferme limousine, c'est là que j'avais fait de présentation un peu ce qu'il va y avoir, la nouvelle aventure, celle-là là. Mais en fait il y a un John Deere parce que le cas il me plaisait pas, il y avait un truc qui allait pas, alors j'ai pris le John Deere, ça ira bien. Alors là c'est une case. Alors toi tu vas me faire chier. Le petit JCB. Alors j'ai ce JCB, c'est juste pour cette palette. C'est les tuyaux qui relient le semoir et le semoir de maïs et le semoir à engrais devant, c'est les tuyaux qui se relient. Allez, on va reculer, on va atteler ça. Alors, pourquoi il veut pas l'atteler? On n'est pas droit. Ok, il est là. Alors, X, on va replier ça.
Bon, et pas besoin de masse. Hop là, allez. Je sais pas si... Je sais même pas où c'est qu'il y a une masse ici. Il y en avait une là, mais je crois que j'ai plus. Bon, mais on va faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Hop, ça. Allez. Pareil, ça part au champ. Bon, ça va. Peut-être qu'ils mettent des masses en vrai, après j'en sais rien. Moi pour l'instant, il n'y a pas besoin de masse. Je suis là. Peut-être regarder le radar là. Il va pas nous flasher. C'est ces boîtiers les radars. Il y a les boîtes aux lettres. Hop. Le chemin il est là, ouais. Putain. Écoute, on est peut-être dans la barrière. C'est vrai que c'est solide, parce que t'imagines si à chaque fois tu foutais les petits, que le bordel il se casse dans le farming, putain. Moi il y aurait tout le cassé dans la ferme, dans la map. Maladroit qu'on me tue. Là, il y a le pont. Hop, là, faire gaffe. Ah ouais, là, place entre les deux, c'est bon. Allez, on déplie ça. Bon, c'est pas grave si on n'a pas la bourrée. Ah lui tu vois je crois qu'il a le mot de la bourre. Voilà. Bon, ça le tire un peu, non, on dirait. T'aimes? Ça, il tire sur le bordel. Activez les... T'aimes bien chier le type. Attendez, je vais faire un petit truc vite fait, mettre le tracteur là, pour faire un petit screenshot comme ça, hop. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Facebook, vous marquez le paysan du 24 Farming Simulator 2017. Merde. C'est ma chaîne Facebook, si j'y pense, je la mettrai dans la description dessous, si j'y pense, parce que des fois je vous dis un truc, je pense pas. Hop là. Comment on va s'y prendre à prendre ce screenshot? Voilà. Allez, hop, là. Bon, nous on va essayer de continuer à faire ça un petit peu et après je pense qu'on va s'arrêter là, je sais pas combien on a de temps de vidéo. On entend bien le bruit, je sais pas si vous entendez, mais on entend le bruit qui... de la herse. Putain, ça le tire le type, mieux à Dieu, je te dis pas là. C'est que ça monte après aussi là, ouais, c'est que ça, on dirait pas mais ça monte hein.
Attends. Après, on va voir en descente si ça le. En descente, je pense que ça ira mieux. Ouais. En descente, tu auras vraiment de peiné. Ah ouais, tu vois, ça a mal. Mais on dirait que quand tu passes cet outil par terre, là, on dirait que la terre, elle change de couleur, tu vois. Comme si tu mettais de l'engrais, je sais pas. Ouais, speed gros, c'est pas grave. Ouais, lui, je crois qu'il a moins de labour. Parce que ça enfonce bien. Ouais. Là, c'est bon. On est à combien en descente? 10? On est à 8 en montée, ouais. Tu vois. Après, peut-être comme c'est dans le sol, après, voilà, ça tire. Bon, ben voilà, les amis. Hop. On va s'arrêter là pour ce premier épisode sur la ferme limousine. Alors si ça t'a plu, si ça vous a plu à vous qui regardez, ben lâchez un like, allez sur ma page Facebook comme je vous ai dit, le lien est dans la description normalement, si je me souviens bien. Normalement il doit y être. Hein. S'il n'y est pas, excusez-moi. Et lâchez un petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous plaît, Et puis voilà. Donc deuxième épisode, je vais essayer de le faire assez rapidement. Sinon sur ce les amis, je vais vous dire à la prochaine et allez, ciao.